Bonjour et bienvenue au collège Rollina à Argenton-sur-Creuse. Aujourd'hui, on va vous présenter le défi robotique. Générique. On va commencer à 11h20. Oui, non. Il vous reste 2 minutes. Vous êtes au collège Rollina, donc il y a une cité scolaire, et puis là vous êtes dans les locaux des salles de technologie. Donc, alors à l'initiative, c'était une création du CRT, Centre Ressources Techno de l'Indre, qui avait mis ça en place pour proposer un défi entre plusieurs collèges. La situation actuelle fait qu'on a plus de difficultés à se déplacer. Du coup, on reproduit ce défi intercollège dans la salle de techno avec les troisièmes. À côté de moi, il y a un robot. On va le programmer pour qu'il suive un circuit. Et sur ce circuit, il peut y avoir des obstacles ou un palais à déplacer sur une cible. On le connecte en USB à l'ordinateur et on va téléverser le programme à l'intérieur de la carte mémoire qu'il y a dans le robot. Puis il va suivre le programme qu'on lui a donné de suivre. Mais c'est parce que... Ouais, c'est bon par contre, mais il n'y a pas de palais. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, c'est assez difficile parce que faut quand même être renseigné un petit peu, faut savoir comment ça marche. Donc on a appris en cours et après faut faire plusieurs étapes, donc faut programmer, à chaque fois faut revenir sur le circuit pour essayer et corriger les erreurs. Aujourd'hui, donc ça faisait plusieurs séances qu'on travaillait sur le même parcours pour s'entraîner. Et aujourd'hui, du coup, il fallait faire ce même parcours pour réussir à mettre le palais dans la case sans que le robot il touche l'obstacle ici. Et à chaque virage, on marquait un point si le robot avait bien passé le virage. Il avait le stress. Il est seul. Ça marche pas. C'était assez stressant, mais c'était du bon stress, comment dire. Parce que on n'avait pas beaucoup de temps. Il y avait le compte à rebours sur l'écran, donc c'était. Voilà, fallait se dépêcher. Mais c'était très sympa et on a pu faire pas mal de choses, même si des moments il y a quelques petits problèmes. Parce qu'en effet, l'Ozobot ne fonctionne pas toujours comme on veut. Hein. Il y a un volant, on se connaît, on appelle la Formule 1. Non, c'est une blague, ça va, c'est pas. Là, en l'occurrence, ce défi fait appel à plusieurs compétences. Il n'y a pas que de la programmation. Alors, on n'a pas eu le temps de voir la deuxième partie avec la réalisation d'obstacles et de défis à franchir. Mais il y a une espèce de petite stratégie qu'il faut mettre en place pour empêcher les autres groupes de franchir ces défis. Donc il y en a qui sont plutôt spécialisés sur la programmation, qui sont plutôt à l'aise sur la programmation, d'autres sur la stratégie à adopter pour essayer d'empêcher les autres groupes de franchir ces défis. Donc il y a une petite émulation entre eux et qui fait que chacun amène ses compétences. Là, on se rend compte que l'avantage de ces activités-là, c'est qu'ils... ça reste du concret parce qu'ils modifient leur programme, ils voient l'évolution de leur programme instantanément. Et puis le côté défi rajoute un petit challenge qui les pousse à progresser et essayer de faire les meilleurs scores possibles. Ouais.